La représentation des étudiants du Congo a désormais son siège dans la commune de Kitambo. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde qui a procédé mardi à l'inauguration de ce bâtiment. Un signe pour réaffirmer la volonté du chef de l'État et la détermination du gouvernement à répondre aux besoins et aux préoccupations de la jeunesse estudiantine. Suivez. C'est la nouvelle adresse de la représentation des étudiants du Congo ici sur l'avenue Kasavubu dans la commune de Kintambo. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde qui l'a inauguré en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui salue un acte s'inscrivant dans la droite ligne de la politique éducationnelle du gouvernement tout en rendant des vibrants hommages au chef de l'État. Nous remercions surtout l'organisation des représentants des étudiants qui, par leur détermination et leur volonté ont rencontré la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je voudrais vraiment que cet acte symbolique aujourd'hui puisse justifier votre devise, celle de l'unité, du travail et de l'excellence. Je vous invite à ne pas vous arrêter ici, à faire plus. Le président des étudiants du Congo a salué l'intérêt manifeste du chef de l'État vis-à-vis de la jeunesse estudiantine et formule un plaidoyer au chef du gouvernement pour la prise en compte des anciens étudiants dans la composition de l'équipe gouvernementale. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son oreille attentive aux cris de la jeunesse estudiantine, car c'est grâce à sa bonne volonté et son implication personnelle qu'aujourd'hui la structure des étudiants congolais a ses beaux cadres. Nous remercions au second lieu le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Samalukonde, qui, malgré ses multiples occupations, s'est investi personnellement pour l'inauguration de ses sièges. Ceci témoigne à suffisance l'importance qu'il accorde aux préoccupations de la jeunesse congolaise en général et à la jeunesse estudiantine en particulier. Nous ne pouvons jamais tourner cette page sans toutefois remercier son Excellence Muindo Zangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui soutient et accompagne sans relâche les efforts de l'étudiant congolais. Ces installations inaugurées à ces jours sont censées rester ouvertes à tous les étudiants de la RDC.